La meilleure réponse pour les Cambridge? Le silence. Depuis quelques jours, la famille royale britannique doit affronter une nouvelle tempête provoquée par le prince Harry. Depuis les Pays-Bas, où il a assisté aux Invictus Games, l'époux de Meghan Markle a lancé un pavé dans la mare au sujet de sa grand-mère, Elizabeth II. C'était tellement bien de la voir. Elle est en grande forme, a-t-il confié à NBC qui lui demandait comment s'était déroulée leur retrouvaille. Et l'époux de Meghan Markle de lancer une phrase choc, je m'assure qu'elle soit protégée et qu'elle ait les bonnes personnes autour d'elle. Ce jeudi 21 avril, Kate Middleton et le prince William ont logiquement été questionnés sur cette sortie du prince Harry. Monsieur, la reine a-t-elle besoin de protection? Leur a demandé une journaliste alors qu'il quittait le siège londonien du Disasters Emergency Committee. Forcément un peu embarrassé par cette question, Kate Middleton et le prince William ont continué leur route, sans répondre, et se sont engouffrés dans une voiture qui les attendait. Pas question pour les Cambridge de mettre de l'huile sur le feu. D'autant que la famille royale est occupée à célébrer le 96e anniversaire d'Elizabeth II. Sur les réseaux sociaux d'ailleurs, Kate Middleton et le prince William ont honoré Sa Majesté en partageant une étonnante photo de famille. Nous souhaitons à Sa Majesté la Reine un très joyeux 96e anniversaire aujourd'hui, ont-ils écrit sur Twitter, estimant qu'Elizabeth II est une source d'inspiration pour tant de personnes au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde. Quant à la famille royale, elle a publié un cliché rassurant de Sa Majesté. Harry, nous avons une relation très particulière sur cette photo, prise le mois dernier, Elizabeth II prend la pose au milieu de deux chevaux, Baybeck Cathy et Baybeck Nightingale, dans les jardins du château de Windsor. La reine va célébrer son anniversaire de manière privée au domaine royal de Sandringham, à 200 km au nord de Londres. Et essayez de ne pas s'inquiéter pour les récentes déclarations du prince Harry. Nous avons une relation très particulière. Nous parlons de choses dont elle ne peut parler à personne d'autre, a-t-il assuré à NBC News. Je crois qu'elle en a un peu assez des anniversaires. Mais au sein de l'entourage de Sa Majesté, on fulmine de la dernière prise de parole du duc de Sussex. Et on s'inquiète de ce qu'il pourrait dévoiler dans les mémoires qu'il est en train de rédiger dans le documentaire que Netflix est en train de tourner au sujet du prince Harry et de Meghan Markle.